Bonjour! Alors, aujourd'hui, on va voir comment fonctionne un œil, mais comment ça fonctionne, pourquoi vous voyez clair, pourquoi vous voyez pas clair, quelles sont les différentes causes. On va voir tout ça. Donc, déjà, en premier lieu, il faut imaginer que votre œil, c'est comme un œuf, hein, grosso modo, avec dans le fond la rétine. C'est elle qui réceptionne l'image et qui la retransmet via le nerf optique au cerveau, qui lui, on a l'habitude de dire que c'est le cerveau qui voit, et non pas l'œil. Donc, quand on a un défaut de vision, ce qu'on appelle une amétropie, qu'on soit hypermétrope, presbyte, astigmate et myope, c'est que les rayons lumineux ne tombent pas pile sur la rétine. C'est-à-dire que derrière, au lieu d'avoir un point net, on va avoir une tache. Hein, si le rayon, j'allais dire, se focaliserait derrière la rétine, ici, j'ai une tache. De même que s'il se met devant, en allant plus loin, j'ai une tache plutôt qu'un point net. Ça, c'est ce qui fait que l'on a une amétropie, que l'on est myope, hypermétrope, astigmate. Et c'est pour ça que l'on ne voit pas bien. Hein? Voilà. Ensuite, il y a aussi la dimension du transfert de l'image. Là, on rentre plus dans la pathologie, avec une éventuelle altération soit de la rétine au niveau des cellules, soit du nerf optique. Quand on parle de pathologie, notamment de la rétine, on pense souvent à la DMLA, au nerf optique, le diabète joue beaucoup sur le nerf optique. Donc c'est très très important si vous êtes diabétique d'aller vous faire contrôler tous les ans pour voir si la pression à l'intérieur de l'œil ne presse pas trop, c'est comme un tuyau d'arrosage, hein, si vous le pincez, et l'eau ne coule plus. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le fonctionnement de l'œil. C'est pour ça que le verre de lunettes, lui, dévie les rayons lumineux, si on en revient au défaut de vision à proprement parler. Donc, le verre de lunettes dévie le rayon lumineux pour qu'il se focalise parfaitement sur la rétine. Voilà, c'est tout simple, c'est le fonctionnement de l'œil, et je vous dis à très bientôt chez Atolaïs si vous avez plein d'autres questions. Allez, bonne journée, au revoir.